concrètement, c'est une formation en 3 ans qui donne un grade licence. Donc elle donne un diplôme de DNMAT de mise en lumière. Donc le DNMAT, il faut savoir que c'est un diplôme des métiers d'art et du design. Mais du coup, nous, avec la mention spectacle, option mise en lumière. Alors, de manière générale, c'est une formation qui prépare les jeunes au métier du spectacle. Donc plus spécifiquement, les métiers du spectacle vivant qui vont être en lien avec le son et la lumière. Donc on essaie d'amener, on va dire, les apprentissages nécessaires à la pratique de ces métiers, donc au niveau technique, au niveau artistique également. Pour arriver à cet objectif de concepteur-régisseur, l'étudiant agrège non seulement des connaissances théoriques, une sensibilité artistique, mais aussi des compétences professionnalisantes, techniques, scientifiques. Pour les stages, ils sont très importants dans notre formation. Ils sont répartis entre la deuxième et la troisième année. Ça, pédagogiquement, c'est un choix, puisqu'on prétend d'abord leur donner des bases pour qu'ils soient vraiment sur des stages actifs en regard de ce qu'ils ont appris en première année. Donc du coup, il est bien sûr possible de faire un stage à l'étranger à partir du moment où ça se fait dans le cadre du spectacle vivant. Comme cette formation est très exigeante, il nous faut des profils rigoureux, exigeants et qui aient une réelle envie de travailler en équipe et qui soient à la fois des profils finalement scientifiques et techniques et en même temps littéraires et artistiques. Donc les débouchés pour les futurs diplômés dans les métiers de la lumière, c'est aussi bien technicien que régisseur ou concepteur lumière. Ça leur permet aussi après de tenter les concours de l'ENSAT par exemple ou du TNS pour avoir une formation en Bac+5 pour vraiment acquérir un niveau plus élevé et une meilleure expérience du métier. Mais après bien sûr on a beaucoup d'étudiants qui commencent à travailler aussi en sortant de notre formation.